ULCC mettait un rapport qui gagnait non sept anciens sénateurs là-dedans qui t'a dilapidé ou volé l'argent de l'État dans mauvaises conditions, madame, monsieur. Sénateur, ça n'a pas fait déclaration patrimoniale, ni les a rentré, ni les a sorti. Malheureusement, il n'a pas pu participer dans la nouvelle élection. 350 000 gouttes, c'est montant, un contrat sénateur Yuri La Tortue t'es signé avec maman. Sénateur a fait débloquer 9 chèques. Sous nos mamans, malheureusement, tout est allé sous compte personnel li, et une là-dedans est allé sous compte une compagnie de sécurité. Romain Bell, qui est ancien directeur général des douanes, tout le monde connaît qui tape manger ou gaspiller l'argent de l'État. Ou les ULCC dans farine. Eh bien, ULCC mène enquête, li, li jeune li gagne 10 comptes bancaires, alors que monsieur lui-même li te dit li gagne seulement 2 comptes bancaires, madame, monsieur. Affaire insécurité dans le pays a ses têtes chargées. Bagay sa li fait gros impact sur institution Sacré-Cœur de toujours. Yo obligé fermer porte, madame, monsieur. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Content informé ou même qui aime travail ça, abonnez, partagez et commentez toute émission nous postez. Madame, monsieur, ULCC, c'est une institution dans le pays qui gagne, qui là pour veiller nèg qui a volé l'argent de l'État, qui a gaspiller comme l'État dans mauvaises conditions. Dans un rapport, vous mettez dehors, vous citez non 7 nègres qui ont mangé l'argent de l'État chaque jour, qui ont construit belle caille, acheté paquet de machines, caille à l'étranger. Mais comme ça, yo, qui quoi vous connaissez? C'est comme ou même les aller dans le marché en bas de la ville, ou à passer misère en bas de la bandit. Nèg sa yo lè yo collecte kòb sa yo ale nan fond l'état, nèg yo yo même yo pran yo manje yo nourri ti ménage paquet fòm nan peyi a. Eh bien ULCC li même di fòk sa fini, li mette non plusieurs la dan yo de yo, madame, monsieur. Même kèk moun ou te ka pa panse ou konnen fòm, se yon moun an pil moun fè konfians ki kon douleur ki gen en pile souffrance qui connaît qui misère maman a passé dans pays. Mais malheureusement gen femme là-dedans yo nan ancien sénateur sa yo qui impliqué nan mauvais acte sénateur yo a commettre dans pays. Non yo devant là m'a cité quelques noms pour gagner Naoum Marcelis, gagner Jodon Etienne Luma si m'pa trompé mais lui même qui femme nan, gagner Jacques Sauveur Jean. Yon artiste en pile haïtien remè qui kon ap fè moun danse toute la sainte journée, mais non là comme moun k'ap fè peuple k'ap manje l'argent peuple la pour grand merci. Et m certain que ULCC li même pa bay menti parce que c'est pour ça l'état créé instance ça, madame, monsieur. M pa kwè parce que remè fòm tèt yon série de nèg li rayi yon série de l'autre qui fait li mete non yo nan rapport ça, madame, monsieur. Gen yon pile fanatique Jacques Sauveur Jean qui vraiment étonné parce que le toujours a dénoncé corruption, mais non là nan kaye ULCC étant que nèg k'ap manje l'argent l'état pour grand merci, madame, monsieur. Gagne toujours gagne Hervé Foucan ou ap songe Hervé Foucan lui-même c'est un monde Canada reproché comme monde qui a financé gang, comme monde qui a encouragé corruption dans pays a, monde qui profité de capacité politique li de haute place li occupé dans administration publique là pour faire un paquet de bagaille passer mal dans pays a, madame, monsieur. Nèg sa yo même yo était déjà gagné en pile dossier sous doyo dans international la. Mais ULCC c'est lui-même qui c'est un organe en Haïti rivé sous nèg sa yo gagné Willow Joseph qui était très brodé dans parlement l'elle qu'on apprend position en pile moun te kon bat bravo mais bel ti français sa yo t'assemblé c'est pour c'est bagay li te mette nan bouche li fait ti bouche li douce pour te ka konnen comment li pral mette yo en application pour manger l'argent peuple haïtien, madame, monsieur. Nous yo vraiment en pile gagné toujours. M'a cité pour Wilfried Jelin. Oui, ancien sénateur Wilfried Jelin, pas fait déclaration patrimoine ni l'est la rentré. Pour ka nèg yo rentré avec yon caille qui ka évalué avec 25 000 combien gout. Mais l'est ap sorti, madame, monsieur, yo gagné caille ni à l'étranger, yo gagné caille tout coin monde là, mais côté aux jeunes comme ça, c'est question qu'a posé. Et bien, là pour me dire
kob sa yo, se kob ou bay l'Etat Haïtien. Le ou achete yon ti pa padap, le ou achete yon pot duri, se kob sa yo ou pa ka, si ou achete 25 goud pa padap ou jwenn 22 goud, e ben res ti mounen ki rete yon, on ti kras ale, la kay di sel, lot ti bagay la li menm la le, la kay l'Etat Haïtien. E ben se tout kob sa yo, le ou vin kompile yo ansam, neg yo ale nan ou na, prete paket la jan nan ou na, et ça puis du an yo prêté pour 25 ans sous nos maman yo prêté pour 50 ans et l'on calculé combien de temps moun sa yo rete pour vivre ou est son moun qui pas gen temps payé ona comme ça et jeune nan payant qui besoin comme soit pour ta faire business pour ta al étudier ona pas accordé au chance sa yo. Mais gwo nèg sa yo, gwo nèg gwo palto, par contre si c'est parce que yo gagne un bel costume, belle influence politique, depuis yo paraît on a li même li tout prêt pour ba yo cop. Mais malheureusement nèg sa yo pas réglé rien avec cop sa yo, c'est pour dilapider yo nan mauvaise condition. Madame monsieur, gagne ancien sénateur Yuri La Tortue li même, tout moun konnen se président ou coordonnateur de parti politique politique AAA qui c'est Haïti en action. Yon parti politique là autant de depuis sous nol pour te ka di son parti cap penser pour pays, son parti cap qui pral mettre pays en sous rail développement. Mais ULCC lui-même li sorti un gros rapport côté que ancien sénateur Yuri La Tortue lui-même li t'est prêté, li t'est signé un contrat avec propre maman qui vaut 350 000 goud. Tendez oui, 350 000 goud. Et non contre ça, madame, monsieur, ça qui pidouyant, c'est que ULCC dit c'était un contrat fictif. Le nous d'où un contrat fictif, c'est que c'est pas un bagay qui existait vrai. C'est un bagay pour la forme. Yo ka di ou moun nan te nan yon job, mais li pas exactement nan job lan vrai, li pa ale travay, rien du tout. Gagne 9 chèques, l'État haïtien débloqué sous nom ancien maman, sous nom maman. Ancien sénateur là. Où compte ça passer madame monsieur? Nan 9 chèques ça yo, 8 là-dedans yo aller sous compte personnel ancien sénateur Yuri La Tortue. Et puis gen une là-dedans yo calé sous compte yon compagnie de sécurité qui c'est compte national de sécurité, c'est non compagnie a, compagnie nationale de sécurité. Et bien compagnie ça, on supposé que c'est sénateur Yuri La Tortue lui-même qui a administré, qui a géré, mais l'État haïtien lui-même débloqué tout chèque ça, tout l'argent ça pour maman sénateur Yuri La Tortue, alors que lui-même est lui qui pral utiliser comme ça. Peuple Antibonite là, parce que yo vraiment prend cours les autant des gens de bagaille ça yo, parce que yo toujours dans misère, yo toujours dans crasse, alors que nèg yo même yo toujours à pour les belles machines, gagner kay à l'étranger, gagner paquet kay ici en Haïti, mais gen moun même yo côté même yo chambre kay yo pas ka louer tellement bagaille là pas bon pour yo. Et ben yo t'ai toujours pensé que comme justice haïtienne nan toujours yon ti crasse nan konpiolo, li pa vle bay vérité sou yo. Et bien ULCC lui-même mettait toute vérité dehors, li voye non nèg sa yo aller devant la justice haïtienne pour le poursuivre et même mettait interdiction nan koyo pour yo pa capable candidat nan prochaine élection yo. Madame monsieur, gagné ancien sénateur Ronnie Célestin nèg sa lui-même qui gagné qui acheté un paquet kay nan zone nan pays Canada. Yon kay madame monsieur qui coûtait très 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 cher, m'a bin avec montant pour ou en pile moun pa ta penser ça, mais effectivement li même li acheté kay ça. M'songe les bagay ça fait parler dans pays, pou konn ça ancien sénateur a dit, li dit c'est yon monnaie épice. Ça veut dire ou ka comprendre, yon nèg acheté yon kay qui vaut yon paquet l'argent. Le ou mande le côté le jeune li dou se yon monnaie épice. Kay sa li même, li Canada, et le ou apprenne, ancien sénateur la, achete tout kay sa,
bagay la te parle nan presse canadienne nan en pile parce que yon sénateur lui-même pas ta supposé acheter yon kay nan tout comme ça oui ça qui pidulan li pa bay li nan yon seul temps li anik bay kob la d'un pour madame monsieur c'est comme ça ça y est en Haïti nèg ou pa ta pensé toujours impliqué nan affaire corruption nan pays an manger l'argent peuple an pour grand merci et puis peuple lui-même li te voye yo al représenter pour te capable porter résultat pour yo Haïti c'est un pays et autorité lui-même qui toujours a fait l'appui et le beau temps mais haïtien lui-même petit peuple toujours dans misère yo toujours dans crasse quand ça m'a parlé là on combien qu'on était coûté 4.25 millions de dollars américains attendez 4.25 millions de dollars américains quand ça était situé bon la mer li gagnait 4 salles de bain qui c'est douche, li gagne yon espace pour 10 voitures, pour le prendre 10 machines et puis tout li gagne yon terrain lui-même qui gagne 66 000 pieds de mètre carré. Ça veut dire espace ça c'est pas espace lié, c'est bagay nèg riche. Mais sénateur là lui-même 4.25 millions de dollars américains, li te dit c'était l'argent épice li te. Peuple haïtien apprend mais nous na wè nan ki ça nous prend. Gagne Romel Bell qui c'est ancien directeur général des douanes. Douane c'est une institution en paysan depuis y a boye bagay pour sorti à l'étranger qui toujours rentré en pile cop. Et bien directeur lui-même, il était dans tête boîte ça, c'était dilapidé, il t'a dilapidé. Il était roulé ULCC dans farine pour le dire, il gagnait 2 comptes bancaires seulement. Après enquête ULCC menée, les jeunes ont gagné 10 comptes en banque avec madame li côté que qui gagnait en pile l'argent l'état haïtien là-dedans, petit cop peuple, petit cop malheureux malheureuse qui allait dans compte sénateur nan kont ancien directeur Romel Bell peuple haïtien toujours nan crasse yo même y a pas ces misère yo pa ka acheter yon petit pot du riz yo pa ka acheter yon petit mamite pois c'est comme ça ça y men sénateur ancien député tout chef yo même yo toujours posé yo y a près de yo nan gouvernement haïtien ULCC mettez bagay nan men yo et la justice haïtienne li même gagnen pour li faire travail li. Affaire kidnapping dans le pays d'Haïti sont bagay tête chargée, même l'école pas épargnée. Avant-hier, yon parent a mené petit li dans l'école Sacré-Cœur qui dans zone Turjo, bandi exam descend madame monsieur, yo kidnappé ni ti moun nan ni papal. Selon information qui vient de nous, papa c'était un avocat. Et bandi yo si pa trompé yo même aller à machine ni te gen yon agent de sécurité qui patrouille l'école là yo descend yo prend zam qui té nan main agent de sécurité et ben ti moun yo qui té nan l'école ça té vraiment peur yo té vraiment inquiété parce que yo té toujours comprendre bandi yo ka entré nan l'école là n'importe qui l'est pour yo enlever yo tout c'était une journée l'école qui pas bon du tout pour ti moun yo gen qui t'a l'eau dans yeux qui t'a prélé maman yo vinn chercher yo les papa yo vinn chercher yo tellement bagay la te mangomé nan toujours nan demain encore c'est après rel kamakorel te gagnon l'autre chef c'est un ancien cadre nan l'état pendant la mené petite l'école yo arrivé prendre et bien par rapport à bagay ça ka dégradé population haïtienne nan ka manger vente ka code trip peuple institution lui-même qui c'est l'école Sacré-Cœur de toujours arrivé fermer porte li et li dit la baye mot d'ordre qu'il est la province mais pays d'Haïti parents pas ka voye petit yo l'école ti moun même l'église yo pas ka aller et bien chef nouveauté yo a dilapidé l'argent l'état y a volé toute la sainte journée et bien nous même misère nous tant qu'on connaît channel ça c'est channel information quel que soit côté bagaille là yé n'a chercher pour nous porter ba ou même là jeune li abonner partager et pas suspendre commenter au revoir.